À la une de ce journal, processus diplomatique de Luanda, le responsable du mécanisme de vérification dans le conflit entre la RDC et le Rwanda a été présenté au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le général Masone Joao était conduit par le ministre angolais des Relations extérieures. Et pour les perspectives économiques mondiales, les indicateurs connaîtront la dégringolade l'année prochaine. Si pour l'année 2022, la croissance mondiale était estimée à 3,2%, en 2023, elle serait à 2,7% selon les chiffres de FMI. Mesdames et messieurs, commençons. Bonjour et bienvenue à ce journal, à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision qui part de cette information à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu une lettre du président angolais, João Lourenço, portée par le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, qui par cette occasion a profité pour présenter au président Tshisekedi le responsable du mécanisme de vérification, le général Masone Joao, tel que souhaité par la feuille de route de Luanda. Suivez Tete Antonio par cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Notre venue ici n'est autre que la réaffirmation des bonnes relations qui existent, des relations excellentes qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui ayant trait à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Et il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme de vérification serait créé et le chef d'État, sans doute, attend que toutes les décisions que nous avons prises dans le cadre de la feuille de route de Luanda soient mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son Excellence, Monsieur le Président, pour que, n'est-ce pas, ils puissent se mettre à l'œuvre en étroite collaboration avec nos sœurs et frères de la RDC et les autres pays de la région. Préparatif des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, le Premier ministre Samuel Koundé a reçu en audience une délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie, OIF, conduite par le ministre de l'Intégration régionale, Didier Mazenga. Au cours des échanges, les parties ont passé en revue les préparatifs de cet événement dans son ensemble. Suivez ce commentaire de la rédaction. Le Premier ministre Samalou Koundé est le chef du comité de pilotage des préparatifs de ces Jeux. Ces moments de discussion avec cette délégation de l'OIF conduite par l'administrateur de cette organisation internationale, Geoffroy Monpetit, a permis de se rendre compte de l'évolution des préparatifs pour voir notamment les avancées enregistrées. Je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet, qui est, que je le répète, encore très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. Déjà, le Premier ministre a eu à effectuer une visite dans les sites où vont se tenir ces Jeux. Cette délégation de l'OIF à Kinshasa a également effectué des descentes sur terrain pour palper du doigt l'évolution des choses. Selon le cahier des charges liant la RDC au Comité international des Jeux de la Francophonie, au mois de mai 2023, toutes les infrastructures doivent être prêtes pour les Jeux qui se tiendront du 28 juillet au 6 août de la même année.
Autre chose dans ce journal, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la ville de Kinshasa et celle de Bruxelles, le président du Parlement bruxellois a été reçu ce jeudi par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. L'officiel belge a annoncé que 3 palettes des tenues techniques pour les sapeurs-pompiers et 5 véhicules anti-incendie sont déjà arrivés à Kinshasa. Enokisei. Reçu par le gouverneur de la ville de Kinshasa hier jeudi 13 octobre, la délégation belge est venue honorer les promesses faites sur les accords de coopération entre Bruxelles et Kinshasa dans les différents domaines, notamment celui de la problématique des gestions des déchets ainsi que celui de la sécurité. Conduite par le ministre d'État André Flahou, député fédéral et président du groupe d'amitié parlementaire de la Belgique en RDC, ainsi que par Rachid Mandren, président du Parlement bruxellois. Ces derniers a remis symboliquement 3 palettes de tenues techniques pour les sapeurs-pompiers et 5 véhicules anti-incendie avant d'ajouter que 3 camionnettes vont arriver d'ici peu. Et donc je suis très très heureux, au nom du gouvernement bruxellois, au nom de Rudy Vervoort et de Pascal Smet, ministre du Commerce extérieur, et M. Vervoort, ministre président de la région bruxelloise, symboliquement de remettre à M. le gouverneur voilà, les tenues. Il y a 3 palettes qui sont aujourd'hui arrivées à Kinshasa et de toute façon les camarades ont pris du retard. Donc voilà, engagement tenu et... La suite arrive. Pour sa part, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a fait savoir que c'est suite à un travail d'arrache-pied que les deux parties ont abouti à un accord de coopération décentralisée entre les deux villes, Kinshasa et Bruxelles. La coopération a déjà donné du bon fruit, comme on dit ici chez nous. Nous sommes allés à Bruxelles au mois de juin, donc le 4 juin. Et là-bas, sur place, nous avons bénéficié de quelques dons que je pourrais donc citer ici, notamment des camions-pompiers. Alors c'est une coopération, à mon avis, qui aide notre ville à se développer. Vous savez, la ville de Kinshasa, je dirais, a été laissée pour compte depuis des années. Avec l'arrivée de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu renforcer la coopération que nous avions à l'époque avec la Belgique. Ces renforcements des coopérations Kinshasa-Bruxelles seraient également fruits de la récente mission de voyage de l'autorité urbaine effectuée en juin dernier en Belgique. On va parler maintenant de l'entreprise et ses acteurs. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs, un protocole d'accord a été signé le jeudi dernier entre l'Association des sous-traitants de la République démocratique du Congo et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'ARSP, Blandine Bampala. Ce protocole d'accord signé entre l'Association des sous-traitants de la République démocratique du Congo et la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, représentés respectivement par leur président, Landry Meya et Eric Makwala, consiste à mettre en place un cadre de collaboration formelle pour l'encadrement et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs du Congo, afin de promouvoir et favoriser l'essor économique de leurs activités. Et cette convention signée est également dans les soucis de promouvoir l'émergence de la classe moyenne et la création de millionnaires tels que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, accompagner cette jeunesse dans l'atteinte de leurs objectifs, d'avoir l'accès à l'information sur la législation en matière de la sous-traitance et l'entrepreneuriat. Tout ce qui est renforcement des capacités existe. Les jeunes ont besoin de ça, les jeunes entrepreneurs ont besoin de ça, et surtout les financements. Nous savons où chercher le fonds pour se rassurer que les entrepreneurs sont financés comme il le faut. Et moi-même, de mon côté, j'ai également créé une structure pour se rassurer que les entrepreneurs congolais sont financés. C'est vraiment dans cette optique-là, et nous restons dans la vision du chef de l'État, celle de créer cette classe des milliardaires. Je répète, milliardaires et non millionnaires. Il était important de voir comment est-ce que nous allons mutualiser les efforts entre nos deux structures pour permettre à ce que nous puissions lever
les équivoques et cette entrave qui donne, je dirais, des alibis aux entreprises principales de consister à dire que nous manquons de l'expérience et des moyens pour avoir accès à certains marchés. Et cette mutualisation nous permettra, bien entendu, de lever cette équipe. Cette cérémonie de signature d'accord s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, Alain Boussi-Ouasso, qui, à son tour, a loué cette initiative. Dans toutes les campagnes de vulgarisation que nous menons au niveau de l'ARSP, nous encourageons les entrepreneurs congolais à pouvoir créer des regroupements, à pouvoir se mettre ensemble pour, quelquefois, mettre leurs capacités financières ensemble de cette sommation-là. Ils pourront être éligibles pour certains types de marchés dont la capacité financière est suffisamment élevée. Donc, c'est une très bonne chose. Il faut retenir que l'ASTCV, un défenseur des sous-traitants dans les pays pour trouver les solutions financières et promouvoir l'entrepreneuriat des Congolais. Quittons le secteur de l'entrepreneuriat pour parler de la santé. La COVID-19 n'est plus un problème de santé publique en RDC. La situation est sous contrôle grâce au nombre élevé des vaccinés. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. C'était lors d'un point de presse qu'il a tenu ici à Kinshasa. Suivez. Le coordonnateur du secrétariat technique de l'équipe de riposte contre la COVID-19 en RDC, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, a déclaré sa satisfaction quant à la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 en RDC. Tout en précisant que cette pandémie n'est plus un problème de santé publique au pays, la situation étant sous contrôle, les populations congolaises ont atteint un bon niveau de l'immunité collective. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays, et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. COVID, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle. Dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la COVID. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment... Pour rappel, la COVID-19 a été détectée pour la première fois en RDC le 10 mars 2020. Selon le bulletin du 11 octobre 2022, le cumul du jour est de 92 984 cas, dont 92 982 cas confirmés et 2 cas probables. Autre chose à présent, la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa. En province à Kinshasa, un élu provincial a déposé une question orale adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Telito. Le ministre provincial est appelé à donner des explications adéquates sur le travail de la police provinciale, mais aussi sur les efforts que son ministère fournit pour mettre fin à ce phénomène. Et non, qui sait encore. Une question orale avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Didier Tengue Telito, sur la montée en puissance du phénomène Kuluna Kinshasa, déposé hier jeudi 13 octobre au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par l'initiative du député provincial Eric Boukoula, qui dit constater avec tristesse la montée de ces phénomènes à telle enceinte que même le symbole de l'État ne sont pas épargnés. Eric Boukoula pose plusieurs questions au ministre provincial de l'Intérieur, notamment, pouvez-vous nous expliquer la mission et les attributions du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurité de la population et de ses biens? Quelle est la politique du gouvernement provincial en matière de sécurité des personnes et de leurs biens? Quel est le lien des collaborations entre le ministère de l'Intérieur et les commissariats de la police provinciale de Kinshasa? Comment justifiez-vous l'inefficacité des services de sécurité face au Kuluna? Ils sont plus équipés que la police. Combien le ministère provincial bénéficie concrètement par mois et par an
en termes d'équipement et moyens financiers pour lutter contre le phénomène Kuluna? Puis, la dernière question, quelles sont les actions à impact visible que vous avez menées contre les Kuluna depuis que vous êtes à la tête de ces ministères de l'Intérieur? Par ailleurs, cet élu du peuple a souligné que cette situation met les Kinois par une insécurité indescriptible. La population ne sait plus vivre paisiblement par crainte de ces jeunes incontrôlés qui sèment terreur et désolation. Quittons Kinshasa pour le transport dans le Congo profond. Le ministre de tutelle, Chérubin Okende, a présidé le jeudi la cérémonie de convoi des bus Transco dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et le Sud-Ubangi. C'était au port de l'ex-Onatra de Kinshasa pour les bus du Sud-Ubangi et à l'Antélé pour ceux du Kasaï qui vont aller par route. Édouard Funda nous en dit plus. 20 bus au total en raison des 5 par province qui vont donc permettre aux populations locales de voyager dans de bonnes conditions. À la remise des clés à chaque représentant des provinces, le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a appelé à un usage responsable des bus. En vous remettant cette clé, je vous invite à faire œuvre utile pour pérenniser cette vision du chef de l'État afin que tout le peuple congolais puisse sentir l'effectivité de Transco. Transco était et aussi un outil de cohésion nationale et de du raffermissement de notre unité nationale. Faites-en donc bonne œuvre. Chérubin Okende Singa a également martelé que cette cérémonie entre dans le cadre des missions lui confiées au sein du gouvernement par le chef de l'État pour désenclaver le pays et aussi mettre en œuvre le caractère national de Transco. Nous avions opéré des réformes et donné des instructions précises au nouveau management de Transco pour que la vision du chef de l'État soit respectée. Celle de désenclaver Transco et désenclaver la République. Cela veut dire que Transco devrait quitter la posture d'un établissement public calfeutré à Kinshasa. Transco devrait reprendre sa vocation nationale et être disséminée à travers la République. L'impulsion était donnée par le chef de l'État lui-même en ce qui concerne Isiro, mais aujourd'hui nous avons plus de 4 ou 5 provinces qui bénéficient de cette. Notez que la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur du Kasaï central, Kasaï oriental et le député national Guy Mafutaka Bongo, l'élu de Tshikapa. Vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, place à la page internationale. L'harmonisation du visa au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est entrée en phase de finalisation le 11 octobre 2022. Une réunion d'experts sous-régionaux a délibéré sur les objectifs visés, la standardisation du visa sous-régional et l'harmonisation du coût de délivrance du futur document de voyage. Édouard Funda. L'instauration d'un visa unique au sein de la CEDEAO vise un objectif de stimulation du secteur touristique. Outre la génération de revenus, la création d'emplois et de recettes en devises, la CEDEAO veut s'appuyer sur le tourisme pour s'attirer davantage d'investissements directs étrangers et renforcer les secteurs privés régionaux. Une opportunité économique dans un secteur dont le rebond est projeté à 42% en 2023, selon des perspectives de l'Organisation mondiale du tourisme. Selon les économistes, ce visa unique aura un impact très positif sur le tourisme dans les pays, surtout sur la mobilité des citoyens qui pourront vaquer à leurs occupations et promouvoir la zone CEDEAO de manière assez rapide. La mise en place d'un visa unique en Afrique de l'Ouest, appelé Ecovisa, résulte d'une concertation des chefs d'État de l'espace communautaire en 2000. Notez que le Covisa s'inspire du modèle du visa Schengen de l'Union européenne. Ce visa harmonisé permettra également aux citoyens des États non membres en séjour dans l'un des États communautaires d'accéder librement aux 14 pays membres de la CEDEAO.
Et puis, le Fonds monétaire international FMI avertit que le pire est encore à venir pour les économies mondiales et l'impact financier sur les populations. Si les prévisions de la croissance mondiale du FMI pour cette année restent inchangées à 3,2%, la projection pour 2023 a été abaissée à 2,7%, soit une baisse de 0,2% par rapport aux prévisions de juillet. Suivez nos confrères de CGNT. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les titres. Processus diplomatique de Luanda. Le responsable du mécanisme de vérification dans le conflit entre la RDC et le Rwanda a été présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi. Le général Masone Joao était conduit par le ministre angolais des Relations extérieures. Et puis vous avez suivi le perspective économique mondiale. Les indicateurs connaîtront la dégringolade l'année prochaine. Si pour l'année 2022, la croissance mondiale était à 3,2% en 2023, elle serait à 2,7% selon le FMI. C'est ici que ce journal prend complètement fin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.